trouver des lits. Et il y a des gens qui... On va voir un exemple d'un autre moment où on ne peut vraiment pas commettre de gaffe. Je pense à des gens qui sont cracheurs de feu et acrobates en même temps. Nous en avons un avec nous. Il s'appelle Simon Rioux et on va le regarder tout de suite à l'instant. Je vais rester là, si vous voulez. Bravo d'abord. Une question banale, mais est-ce que ça arrive que vous vous brûlez? Ça arrive à tous les cracheurs de feu, je pense, oui. Ah oui? Ah oui, c'est sûr. Faut faire attention. C'est comme tous les métiers, je pense, faut faire attention. Oui. Essayez pas ça à la maison. Essayez pas ça à la maison, c'est la question. Il y avait d'énormes règles de sécurité qui ont été respectées. La chaleur, on sentait la chaleur, hein? Écoute, ça se dégage. C'est beau, les étoiles, là. Alors les étoiles étaient belles, merci beaucoup pour les étoiles. Merci Simon, on fait une pause, on parle de gaz.